Démontrer des mensonges, des foutaises, y'a plus personne d'honnête. On joue la game, on veut juste bien paraître. Mais avec moi, il faut faire mieux parce que je vois clair dans ton petit jeu. Bullshit! Bonsoir, mon nom est Olivier Martineau et bienvenue à Bullshit. C'est correct de bullshitter, tout le monde le fait. Mais pourquoi on bullshit? Eh bien, c'est souvent pour avoir quelque chose que l'on veut ou qu'on a envie. Ah oui? Tu sais que j'attire pas bien les femmes. Bullshit, ah oui, essaye. Salut! T'as pas l'air de t'amuser. Je m'amuserais si tu pognes en feu. Je vais aller aux toilettes. Hey, ça, c'est de la bullshit. Je m'amuserais si tu pognais en feu. Juste parce que mon ami Fred a dit quelque chose de pas terrible, elle considère que c'est un total idiot qui sait pas parler aux femmes. Bon, elle a pas tort. Mais c'est pas une raison pour être une bitch. Checkez bien ça. Mais là! Envoyez donc des grosses vieilles ici! Hey, ouais, c'est mon ami Fred! Il vient juste de revenir d'Afghanistan. On a profité pour se voir, hein? Parce qu'à chaque fois qu'il part, on sait pas s'il va revenir. Ah, non. Puis s'il revient, on sait pas s'il va revenir en un seul morceau. D'un coup, qu'il revient pas de face. Pas de face! Salut, c'est moi, Fred. Je te reconnais pas, pas de face! Ah, il était bien mieux dans le temps qu'il était avec Médecins sans frontières, ça c'est sûr. Là, il voit des enfants exploser en dessous des bombes à journée longue. Dans le temps, au moins, il leur donnait un peu d'espoir. Hop, hop, on va jouer au ballon. Et parlant d'enfants, là, il est pogné à élever ses 4 enfants tout seul. Sa femme est morte. Ah, une histoire tragique en plus de ça. Allergique au beurre de pinot. Son petit gars revenait de l'école, était tout content d'avoir une note dans son bulletin. B+, t'as eu dans son bulletin. B+! Il va pour serrer sa mère dans ses bras. Pow! La bonne femme allergique au beurre de pinot, il l'avait mangé à sa collation à l'école. Il la tenait dans ses bras. Chérie, non! En plus de ça, l'épipène était passé date, pas de chance, hein? Aucun secours s'est rendu à temps. Il était au chalet, isolé dans les Adirondacks. Il a construit ça lui-même, ce chalet-là, avec des Mohawks. Isolé en plein milieu d'une montagne, vue sur la mer. Ouais, de toute beauté. 10 000 pommiers qu'il y a dans son verger, toi. Ah, ils mangent pas les pommes, ils sont tous piqués par les mouches, c'est dégueulasse. Ils donnent ça aux chevaux. Ils ont adopté 14 chevaux. 14 chevaux pur sang qu'il a sauvés. Ah oui, ça en allait direct à l'abattoir. Maudite vie. C'est pas d'être millionnaire qui va changer quoi que ce soit. Oh. Être millionnaire, ça empêche pas d'avoir le cancer. Il y a le cancer. Il y a le cancer, mon gars, là, plus. Plus que le cancer. Il n'en parle pas, mais tu remarqueras, il a commencé à perdre ses cheveux. Il s'accroche, mais des fois, je me dis qu'il est misérable. Pourquoi? Pourquoi s'accrocher? Pour vivre une couple de mois? Peut-être une couple de jours de plus? Misérable de même. Hey, tout seul, pas d'amour, sa femme est morte. Elle est morte! Il me dit, j'ai l'amour de mes enfants, ça me suffit. C'est pas une force mentale extraordinaire, ça. Tout le reste, c'est juste de l'argent qu'il dit, il a tout donné à des œuvres de charité. Amène-moi tout de suite à ton chalet, je vais rencontrer tes enfants, vivre avec toi et t'aider à passer au travers cette triste maladie. Quelle maladie? Quel chalet? Quels enfants? Et toi, après ça, tu viens de dire, hey, « J'attire pas les femmes! » Bullshit. Thank you.